Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un superbe tuto d'un superbe building les amis. J'espère vraiment que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre plus gros like et n'hésitez pas également à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors vous voyez que ce building il est assez sympa, donc c'est un building dans les tons bleu et gris. Donc voilà, moi je l'ai fait avec de la glace, mais vous pouvez également le faire avec de la vitre, enfin du verre bleu ciel, hein, ça c'est également votre choix. Donc voilà, là c'est l'avant, et je vais également vous montrer voilà, les différentes faces. Ici on est sur les côtés, et là on a la face arrière, tout simplement. Donc voilà, on va commencer directement le tuto. Déjà on va prendre les différents blocs que moi j'ai ici, ci-dessous. Alors je vais vous dire directement les blocs que l'on doit prendre. On va prendre le bloc de terre cuite cyan, le bloc, donc les vitres teintées en blanche, le béton gris, le muret de diorite, la glace ou alors le verre bleu ou bleu ciel, c'est comme vous voulez. On va prendre également la dalle de roche lisse, les dalles de quartz, le bloc de quartz et le bloc d'herbe. Alors on va commencer directement le tuto en prenant, regardez ici, on va prendre ici la terre cuite cyan, vous voyez, et on va commencer par faire ça ici, d'accord. Alors je m'étais mis à 3 blocs hein, je pense. Ouais, 3 blocs d'espace, ok. Donc ce que l'on va faire, tout simplement, donc mettez-vous dans une zone où il n'y a pas de construction et on va venir d'abord faire la base ici en gris. On va déjà pouvoir monter à 4 blocs de hauteur. 1, 2, 3, 4. Ensuite on peut enlever hop, les 3 blocs du dessous. Quand on a ici un bloc, ça va être le coin gauche de notre base là-bas. Donc ça va être le coin qui se trouve vraiment là-bas à gauche. Donc on a ce bloc-ci. Et on va pouvoir avoir 25 blocs sur la longueur. D'accord? Donc on compte. Donc là on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parfait, une fois qu'on a fait nos 25 blocs sur la longueur, on vient ici et là on va pouvoir rajouter 14 blocs vers là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pareil pour ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ensuite on peut tout simplement relier ici nos deux côtés. Ok, quand c'est fait, vous allez remplir la totalité de cette surface ici avec la terre cuite cyan, vous voyez, et on va se retrouver tout de suite. Ok, quand vous avez donc terminé de tout remplir, vous allez pouvoir venir à chaque fois sur les angles droits, donc sur les coins de votre rectangle. Vous allez faire tout simplement, regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis ici, 1, 2. On fait ça sur tous les angles. Donc on vient à chaque fois, on laisse le bloc du coin, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. On fait ça sur tous les coins, regardez c'est simple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2, super. Quand vous avez terminé de faire cela, vous obtenez du coup une forme d'ovale en fait hein, au niveau de votre base ici du building. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement venir, hop, on va seulement laisser, regardez, on va venir en dessous ici, on va compléter, hop, 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 et on doit juste laisser les 5 blocs du milieu, hop, vous allez voir, donc les 5 blocs du milieu, alors le milieu, il est ici, vous voyez, hop, et on laisse les 5 blocs au milieu vide. Du coup, vous voyez, on a bien ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, si vous voulez savoir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de chaque côté. Donc on a 6 blocs de terre cuite cyan à gauche et 6 blocs de terre cuite cyan à droite, d'accord. Donc vous faites ça déjà ici, puis on continue en dessous hein, tout le temps de notre forme. Tac, 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 on fait le tour comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, on fait ça, là, 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 là. Hop, 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 hop. On fait ça du coup tout autour et on fait ça jusqu'en bas. Donc regardez, je vais vous montrer. Voilà, et vous continuez du coup à faire ça jusqu'en bas, sauf ici, et on va se retrouver tout de suite. Ok les amis, quand c'est fait, on va pouvoir prendre la vitre teintée en blanc, et vous allez, hop, on va venir, alors si je me trompe pas, ouais, il y a bien deux blocs, un espace ici, ouais, d'accord.
Du coup, on vient sur nos côtés ici des portes, hein, on laisse deux blocs d'espace, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on met de la vitre teintée en blanc. Tac, là pareil, on laisse deux blocs d'espace, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Super. Quand c'est fait maintenant, on va pouvoir prendre de la glace ou le bloc de verre bleu, c'est comme vous voulez, et on en met ici et ici. Ensuite, on prend la vitre teintée en noir et on va faire tout simplement des portes vitrées. Donc regardez, hop, j'ai oublié de prendre la vitre. Voilà, tac, on vient tout simplement faire 1, 2, 1, 2, 1, 2 de chaque côté pour avoir, regardez, des portes vitrées comme ça. C'est super. Quand c'est fait, les amis, on peut maintenant passer au-dessus de la structure, d'accord? Donc on va tout simplement prendre le béton gris. On va venir au niveau du centre, hein. Le centre c'est très facile, c'est où il y a notre porte. On vient au-dessus, et là on va aller au quatrième bloc. Donc 1, 2, 3, 4. Au quatrième bloc, on place un bloc de béton gris. Donc regardez, 1, 2, 3, 4. Venez bien au quatrième bloc, juste au-dessus de la porte. Quand vous avez mis ce bloc, vous allez venir sur la gauche, vous allez faire 1, 2. Puis on vient encore sur la gauche, on fait 1, 2, 3, 4. Puis on refait ici 1, 2. Puis on fait 1. Ici on refait 1, 2. Ici on fait 3. Et ensuite on recommence le processus. Donc on a déjà ici 3, là on recommence 2. 1, 2. Là on fait le même que là-bas, on fait 1. Puis là on refait le même que là-bas, on fait 2. On refait le même que là-bas, on fait 4. Puis on refait le même que là, 2. Et là, on refait le même, 1. Et vous voyez qu'on obtient une forme arrondie comme cela. Donc, je vais mettre comme ça si vous voulez faire pause pour être vraiment sûr d'avoir réalisé les bonnes formes. Voilà, au moins, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Du coup, la forme qu'on a fait ici à gauche, on refait la même à droite. Donc là, on refait la même chose, 2, puis 4. 1, 2, 3, 4. Puis 2, 1, 2. Puis 1. Puis 2, ensuite 3, et on recommence 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, et 2. Et on obtient du coup tout simplement la forme finale que l'on voulait avoir. Une fois que c'est fait, vous prenez la glace, vous allez venir, et vous allez venir tout simplement mettre de la glace partout devant. Enfin, vous venez à l'intérieur de la forme et vous mettez de la glace devant chaque bloc de béton gris. Donc, vous voyez, tac, tac, je mets vraiment de la glace partout devant. Hein. Donc, vous faites comme moi et ça ira tout seul. Voilà, super, vous voyez, j'ai mis de la glace vraiment partout sur un bloc. Quand c'est fait, vous allez rajouter 35 blocs de glace en hauteur. Donc, je vais le faire avec vous pour une rangée. On rajoute 35 blocs. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. On a rajouté 35 blocs, vous faites ça pour la totalité des blocs de glace, donc vous montez là-bas jusqu'à 35 blocs partout ici, et on va se retrouver tout de suite. Ok les amis, une fois que vous avez donc terminé de mettre de la glace jusqu'à la hauteur demandée, vous pouvez maintenant reprendre le béton gris et tous les 3 blocs d'espace, regardez, 1, 2, 3 blocs d'espace, on fait du coup la même chose que en bas. Donc vous voyez, on refait exactement le même anneau, je vais dire, je vais appeler ça un anneau en béton gris, et vous refaites la même chose tout autour de cette structure de glace, hein, donc tout simplement, tac tac, regardez, je vais vous montrer pour celui-là. C'est assez simple. Voilà, hop, et hop, vous voyez. Donc vous faites ça toujours en laissant 3 blocs d'espace, regardez. 1, 2, 3, toujours 3 blocs d'espace, et vous faites ça jusqu'en haut, on va se retrouver tout de suite. Et voilà les amis, une fois que vous avez terminé de faire tous les petits arrondis comme ça autour de la glace, hein, vous pouvez venir au-dessus, j'ai pas encore fait celui du dessus, mais bon, c'est la même chose, hein, regardez. Tac, tac, on refait exactement la même chose. Donc on fait le tour comme ça, hein, hop, comme en bas. Voilà, donc on laisse vraiment, on le fait juste au-dessus
du dernier bloc de glace. Hein. Tac, on fait ça, on fait ça, on fait tout le tour, hein, tout simplement. Voilà, hop. On continue à faire le tour. Voilà, hop. Ok, une fois que vous avez fini, du coup, le dernier anneau, vous pouvez tout simplement mettre deux. Enfin du béton gris partout, regardez, partout ici à l'intérieur, donc à ce niveau là, on fait ça partout, on va se retrouver tout de suite. Ok les amis, j'ai donc fini de faire le haut ici avec le béton gris, vous prenez maintenant les murets de diorite et on va faire ici les colonnes qui remontent jusqu'en haut. On vient du coup sur les 4 blocs ici et par la suite ici, on vient au niveau du milieu et on fait à chaque fois 1, 2, 1, 2, 1, 2 comme ça entre les anneaux. Donc faites ça comme ça jusqu'en haut. Ici, du coup, vous le faites de ce côté-là, vous le faites également de ce côté-là, hop, et vous le faites également derrière, hein, c'est exactement la même chose, et on va se retrouver tout de suite. Ok, les amis, vous pouvez voir que j'ai terminé de faire mes lignes, hein, devant, je les fais également à l'arrière, regardez, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez vous apercevoir que l'immeuble commence petit à petit à prendre forme, on va maintenant prendre les dalles en quartz, on va venir sur le côté, au niveau du milieu, et vous allez venir, vous allez faire, regardez, un... 2, 3, en laissant toujours une dalle d'espace. On fait ça pour tous les étages. 1, 2, 3, tout le temps comme ça. On fait ça des deux côtés et on se retrouve tout de suite. Ok les amis, j'ai donc terminé de mettre mes dalles de quartz comme cela de chaque côté. Maintenant, on va pouvoir prendre le bloc de quartz et on va venir faire ici, vous voyez, les petites lignes comme ça qui sont faites une fois sur deux de chaque côté. On va commencer par le côté droit, ici. Hop, et on va tout simplement venir là, entre les deux. On fait 1, 1, 2... 1, 1, 2. D'accord. Ensuite, une fois comme on l'a fait par ici, là on laisse un blanc et on recommence ici. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Vous voyez? On laisse toujours un bleu, enfin un endroit d'espace entre chaque ligne. Hop, endroit d'espace, hop, on recommence. Et endroit d'espace, hop, et on recommence. Donc, vous voyez, à chaque fois, je l'ai fait une fois sur deux. C'est très simple. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez qu'on a commencé par le premier. Donc là, on va commencer par le deuxième. Vous voyez, comme ça, on alterne. Donc là, c'est exactement la même chose. Tac. Voilà. Là, on ne le fait pas. Là, on le fait. Hop. Là, on ne le fait pas. Ici, on le fait. Là, on ne le fait pas. Ici, on le fait. Et c'est tout. Donc vous voyez, quand on est comme cela sur l'avant, ça nous donne quand même un résultat assez sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Je l'ai fait du coup ici. Je vais le faire également derrière. Donc derrière, on alterne. Vous voyez que là, tac, tac. Donc là, on a commencé en premier. Du coup, ici, hop, on commence au deuxième. Toujours une fois sur deux. Tac, donc ici, on refait exactement la même chose. C'est très, très simple. Là, on ne le fait pas. Ici, on le fait. Voilà, je crois que j'ai plus besoin de vous répéter ce que vous devez faire. C'est assez simple, hein. Ok, maintenant on va le faire du côté droit ici, hop, donc là on l'avait fait au deuxième du coup, ici on le fait au premier. Ok, super, c'est donc terminé, super, c'est très très cool. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à faire au niveau des vitres bleues, refaire ici en, avec les dalles de quartz. On va ici faire ce petit détail en dalles de quartz blanche, hein, du coup, donc en quartz. Et du coup, c'est très simple. On va venir ici au niveau du milieu. On fait, regardez, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Vous faites ça jusqu'en haut et vous faites ça également par l'arrière. On se retrouve tout de suite. Super les amis, j'ai donc fini de faire le petit détail. On peut maintenant, donc une fois qu'on a fait ça, prendre les dalles de roche lisse. On vient ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on rajoute encore une fois 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on fait 1, 2, 3.
pour ici avoir un petit abri au-dessus de l'entrée. Quand c'est fait, on va ici faire un peu de végétation en prenant les feuilles de chêne et on va prendre également les baies, donc les baies sucrées. Vous prenez les feuilles de chêne, vous allez venir ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil pour ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Ensuite, vous prenez les baies et on vient là, on fait... attendez que je réfléchisse, ouais, c'est bien ça. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on peut enlever toute l'herbe entre les baies jusqu'à l'entrée, hein, bien évidemment. Donc, on enlève toute l'herbe ici, tac, tac, tac. Et on va mettre à la place, tac, 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 on va prendre... le bloc ici de roche lisse ou de pierre lisse. Vous le prenez et vous en mettez comme cela au niveau de l'entrée. Ok, super, vous voyez, ça nous fait une petite entrée assez sympa. Maintenant, on garde toujours notre feuille de chêne. On vient ici, on fait 1, 2 et on fait le contour ici comme cela. Hop, on va mettre ici une petite fenêtre. Donc on va prendre les vitres teintées en blanc. Et on vient faire ici 1, 2, 3, tac, tac, tac. D'accord ? Pareil, de l'autre côté, on vient faire ici. Alors d'abord, on va prendre les feuilles de chêne. On vient entourer comme cela. Et on prend ensuite les vitres blanches. 1, 2, 3, tac, tac, tac. Ok, maintenant on vient à l'arrière. À l'arrière, on va simplement faire, regardez, un peu... un peu de végétation, mais très facile. Vous prenez les feuilles de chêne, vous laissez 3 blocs d'espace ici, 1, 2, 3. Et on fait ici un petit arbuste de 6 blocs. Là, pareil, 1, 2, 3 blocs d'espace. Et on fait un arbuste comme ça. Ensuite, si vous désirez, vous pouvez mettre des vitres blanches comme cela ici, là et là. Voilà. C'est très bien. Pour rajouter un peu plus de détails à l'arrière, si vous désirez, vous pouvez faire comme moi j'ai fait ici, c'est mettre un peu d'arbustes comme cela dans chaque coin une fois sur deux. Donc on va venir, regardez, on va commencer ici, on fait 1, 2, puis là on va à droite, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et voilà, ça nous fait un peu plus de végétation et de détails au niveau de notre building. Du coup les amis, je pense que je n'ai rien oublié, je pense qu'on a terminé, on va juste venir à l'intérieur ici. Hop, vous allez enlever toute l'herbe à l'intérieur et vous allez remplacer cette herbe par des planches de bouleau et on va se retrouver tout de suite. Ok les amis, j'ai donc terminé de mettre du bois de bouleau partout, c'est super. Si vous voulez maintenant faire un escalier pour accéder à l'étage, vous venez ici au-dessus, hein, on avait la terre cuite scie. Vous prenez les escaliers en quartz, vous venez ici du coup dans le côté droit. Et ici vous allez laisser deux blocs comme ça et puis vous allez casser 5 blocs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez ici, vous allez faire ici. Donc vous avez laissé également deux blocs ici. Et vous faites 1, 2. Puis vous descendez en dessous, vous mettez 1, 2 à l'envers. 1, 2 à l'endroit. 1, 2 à l'envers. 1, 2 à l'endroit. Ici encore à l'endroit comme cela et puis on peut mettre à l'envers ici et du coup nous obtenons donc des escaliers pour accéder à notre étage. Je pense qu'on peut même compléter ici avec du béton gris, ouais, ok, donc voilà, hop. Ensuite vous pouvez aménager ça comme vous voulez, hein. Par exemple ici moi ce que je ferais c'est par exemple mettre tac de l'herbe comme cela, regardez, ensuite vous mettez des trappes. Donc des petites trappes, genre les trappes comme celle-ci. Vous en mettez 3 comme ça. Et ensuite, vous pouvez par exemple mettre de la végétation. Ici, par exemple. On va prendre des petites plantes. Hein. Tac, comme cela. Et vous pouvez par exemple en mettre 3 comme ça. Ça décore bien, c'est sympa. Ici, vous pouvez mettre une rambarde. Donc par exemple, vous prenez des vitres teintées. Voilà, n'importe lesquelles. Et vous venez ici, hop, clôturer pour éviter de tomber. Ensuite voilà, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire pour aménager les étages, c'est venir au même niveau
que les étages, hein, et hop, vous, tout simplement, vous vous refermez comme vous souhaitez, vous allez, vous faites ça à tous les étages, et vous allez obtenir du coup plein d'étages pour pouvoir ensuite monter dans les étages de votre building. Hop, hop, hop. Du coup, voilà les amis, je pense que l'on a terminé ce tuto. Je pense n'avoir rien oublié. En tout cas, c'était Cardex. On se retrouve assez vite pour de prochains tutos et de prochaines vidéos sur la chaîne. Salut à tous !